Le monde est fou. Cela est une certitude qu'il n'y a plus besoin de prouver, mais que certains auteurs cherchent à démontrer de manière tragique ou comique afin de nous faire réfléchir sur nos actes. Les réalisateurs dont nous allons parler aujourd'hui forment un duo mythique de cinéma, un duo d'auteurs géniaux et révolutionnaires qui ont réinventé le 7e art. Joel et Ethan Coen sont deux réalisateurs d'origine américaine qui ont toujours officié ensemble dans la production audiovisuelle depuis maintenant 31 ans tout de même. Ce sont des auteurs de génie, des révolutionnaires de la conception dramatique et narrative du 7e art, des auteurs que même les plus grands s'arrachent pour apporter un souffle de renouveau à leur cinéma ou à leur production, bancale ou non. Ils se sont imposés en peu de temps et leur style se reconnaît dès le premier coup d'œil sur un de leurs longs métrages. Un style qui allie la légèreté d'un récit classique et la classe d'une réinvention narrative. Un film de Joel et Ethan Coen, c'est un film qui mélange la force des plus grandes histoires hollywoodiennes mariée à une folie humaine aussi réaliste que bouleversante. Les Coen sont fascinés par la folie de notre monde, une folie qui les a toujours amenés à penser que peu importe ce que nous faisons, peu importe la manière avec laquelle nous agissons, nous sommes régis par la folie. Celle-ci devient alors la gouvernante de nos actes, la nourrice de nos pensées, et ce lien fin et presque invisible qui nous relie avec les plus grands moments de notre histoire avec un grand H. Plus on avance dans un récit de Joel et Ethan Coen, plus on a la sensation de perdre pied avec la réalité, mais que pourtant, les actions de ces personnages ont tout de même des conséquences sur notre monde. Guidés par leur instinct, ces héros, qu'ils soient débiles, crétins, passionnés ou même irrationnels, deviennent les clowns d'une situation qui les dépasse. C'est alors que la magie de ces auteurs opère, peu importe le genre, peu importe le style, peu importe la manière avec laquelle ils décident de l'aborder, et c'est en cela qu'ils sont des génies de notre temps. Créant une concordance superbe et malsaine entre notre monde et le monde de leurs personnages, les Coen créent ainsi un rapport intime, pervers et jouissif avec le spectateur qui semble retrouver dans les actions parfois insensées de ces héros d'un quotidien cathartique un écho presque fou à leur vie de tous les jours. Cette fascination pour la folie humaine permet à leur cinéma de développer une construction qui se fait écho à chaque long métrage et c'est en cela que les Coen réussissent à toucher tout le monde malgré leur style parfois cathartique. Changeant presque toujours de genre, mais parvenant toujours à donner à leurs films un cachet, les Coen donnent alors à leur cinéma un regard sincère et fort. L'efficacité scénaristique des frères Coen prend ainsi une ampleur humaniste et tragique forte, les histoires que ceux-ci nous proposent s'inspirant plus ou moins de faits réels, comme si dans la réalité des faits, l'invention venait finalement révéler ce qu'il y a de plus dingue chez l'homme. En comprenant ainsi cela, on comprend et on perçoit au cœur du cinéma de ces deux hommes une profonde envie de simplement jouer avec nos émotions, avec notre sensation sur le monde qui nous entoure et finalement avec notre impression de peut-être ne pas réussir à saisir tous les enjeux de nos actions. Plonger dans le cinéma de Joel et Ethan Coen, c'est en quelque sorte tenter de rationaliser la folie la plus chronique chez l'homme, celle qui tourmente et celle qui peut aussi faire rire. Par le biais de ce regard, les Coen ont réussi à faire du cinéma un théâtre macabre et terriblement drôle à la fois, sur la vie et sa folie la plus propre, l'homme dans son incomparable incohérence.